la folie. Tous ces vices sortent du dedans et suivent l'homme. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, ce soir, j'aimerais parler du cœur qui n'a pas encore connu Dieu. Dans le livre de Marc, là où nous avons lu, la Bible est en train de nous parler d'un état du cœur d'une personne qui ne connaît pas encore Dieu. Et on nous dit, du dedans de son cœur, c'est là que sortent les mauvaises pensées. Bien-aimés, avant d'entrer dans la profondeur de mon message, j'aimerais qu'on puisse être, d'accord, j'aimerais qu'on puisse être en mesure d'établir une différence, bien-aimés, sur ce qui concerne les trois ou les quatre parties du corps humain. Amen, amen. Amen. Nous savons que l'homme est composé de trois grandes parties. Mais ce soir, j'aimerais ajouter une partie de l'homme qui amène la confusion dans la conscience humaine, qui amène parfois la confusion dans la façon d'interpréter les choses. Beaucoup de gens sont en train de parler de ces parties de l'homme. Et bien aimé, laisse-moi te dire, si tu comprends, si tu connais, établir la différence de ces histoires, si tu connais bien aimé, faire la différence dans ce que l'Éternel est en train d'appeler les parties du corps humain, le parti de l'homme, laisse-moi te dire que tu seras un homme heureux. Parce que le combat spirituel, bien aimé, c'est un combat qui est attribué dans la vie de l'homme à trois niveaux. Premièrement, c'est sur le corps. Deuxièmement, c'est sur l'esprit. Et troisièmement, c'est sur l'âme. Amen. Amen. Mais dans la façon dont nous sommes en train d'établir, dans la façon dont nous sommes en train de parler des choses spirituelles, nous comprenons par là, bien aimé, que la première des choses que l'ennemi est en train de chercher à tuer dans la vie de l'homme, c'est l'âme. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, ne craignez pas celui qui peut tuer l'âme, qui peut détruire l'âme. Mais craignez le corps, pardon, mais craignez celui qui peut tuer l'âme. Amen. Amen. La chose ou la personne qui peut tuer l'âme, c'est l'Éternel lui-même. La personne qui peut tuer l'âme, c'est le diable bien-aimé. C'est pourquoi il ne faut pas avoir l'habitude de blaguer avec ton âme. Lorsque le diable est en train de t'attaquer, lorsque le monde des ténèbres est en train de t'attaquer, c'est premièrement pour faire que ton âme aille à la perdition. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne veux pas aller très vite, j'aimerais qu'on soit, qu'on s'entende. S'il y a des questions, arrêtez-moi, posons-nous des questions. Amen. Amen. Alors, le deuxième niveau, c'est là, bien aimé, que nous sommes en train d'établir le deuxième niveau du combat spirituel. La Bible est en train de dire, nous n'avons pas à combattre contre la chair et contre le sang. Nous combattons contre des esprits dans les lieux célestes. Et ces esprits, bien aimés, n'attaquent pas premièrement la chair. Ces esprits attaquent l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, bien aimé, a la capacité de combattre. Nous disons dans le spirituel, si l'ennemi te vainc spirituellement, s'il vainc ton esprit, laisse-moi te dire que ton corps aussi sera vaincu. Avant que l'ennemi puisse tuer le corps, il cherche d'abord à tuer l'âme. S'il n'arrive pas, il va chercher à tuer ton esprit. Parce que s'il tue ton esprit, il tue directement les facultés de l'homme. Et bien aimé, lorsque tes facultés sont touchées, laisse-moi te dire que tu deviens un homme animal. Tu ne sauras pas résister. La Bible est en train de nous parler de l'exemple, de nous donner l'exemple de ces démoniaques de Gadara. La Bible dit qu'il était possédé tellement par des légions des esprits, par des unités bien-aimées des esprits, qui faisaient que cet homme ne puisse même plus sentir des douleurs sur sa peau. Cet homme n'était même pas capable de sentir que « Oh, il va bien dire Libanga ». Parce que la Bible dit que chaque jour, matin, midi, soir, il était en train de se meurtrir. Il était en train de se couper la peau. Il ne savait pas établir la douleur sur son corps. Il ne savait pas mettre bien aimé la différence entre ce qui est mauvais et ce qui est bon pour lui. Alléluia. Amen. L'esprit de l'homme. Alors, bien aimé, j'aimerais parler ou encore reprendre ce que j'avais dit sur le corps humain, sur l'esprit et sur l'âme. Et à partir de là, j'aimerais établir la différence entre l'esprit de l'homme et le cœur de l'homme. Souvent, très souvent, nous sommes en train de parler du cœur de l'homme. Mais certaines personnes identifient le cœur de l'homme à l'esprit de l'homme. Amen. Amen. Je ne parle pas de cœur et en souligne. Oh, qui n'est pas docteur, va changer un thème. Je suis en train de parler d'un cœur spirituel. Amen. Amen. Alors, vous allez comprendre avec moi que le corps humain contient cinq sens.
tel que je le rappelle, les cinq sens, c'est la vue. Et la vue est représentée par l'œil. Le deuxième sens, c'est le toucher, qui est représenté par la peau. Le troisième, c'est l'odorat, qui est représenté par le nez. Le quatrième, le goût, qui est représenté par la langue. Et le cinquième, c'est l'ouïe, qui est représenté par l'oreille. Amen. Amen. Alors, dans le système mondain, si tu manques l'une de ces facultés, on te donne déjà un mot. On t'appelle misérable, n'est-ce pas? Cela veut dire que tu n'es pas apte. Ton corps a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimé, si physiquement, nous devons comprendre ces choses, comprenez aussi que dans l'esprit, il y a des infirmes spirituels. Alléluia. Il y a des gens qui sont bien-aimés infirmes. Ils ont les sens, mais leurs facultés n'arrivent pas à fonctionner. C'est là, bien-aimé, que nous sommes en train d'appeler le travail de la délivrance. Le processus de la délivrance, bien-aimé, commence par là. Lorsque tu comprends que ton esprit est touché, lorsque tu comprends que tu as une disability qui est, bien-aimé, liée au spirituel, c'est là, bien-aimé, que tu dois chercher ta délivrance. Alléluia. Et l'importance de la délivrance, l'importance du cure-dent dans l'église, ça se réside à ce niveau-là. Si la personne qui veut faire la délivrance ne comprend pas qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, laisse-moi te dire que la délivrance sera très difficile. Beaucoup de gens sont en train de venir devant des pasteurs. Ils sont en train de venir devant les hommes de Dieu avec des mensonges. Et c'est par là que nous sommes en train de rendre le travail de la délivrance très difficile. Amen. Nous disons que la délivrance, c'est un processus. La délivrance, ce n'est pas, bien aimé, le même jour que tu deviens délivré. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est celui qui fait le travail. C'est pourquoi Pierre est en train de dire, celui qui a commencé ses bonnes œuvres à vous, celui qui la rendra parfaite. Bien aimé, ce n'est que Dieu qui rend les choses parfaites dans la vie de l'homme. Ce n'est que Dieu qui amène l'homme, bien aimé, à la perfection. C'est pourquoi ne t'étonne pas. Si on commence ta délivrance, ton travail de délivrance aujourd'hui, ne dis-moi, pasteur, je ne vois pas un changement aujourd'hui. Attends, bien aimé, parce que la délivrance, ça va produire les fruits. Alléluia. Le deuxième sens, c'est le sens de l'esprit. Premièrement, nous avons la conscience. Deuxièmement, nous avons l'imagination. Troisièmement, nous avons l'intuition. Quatrième, nous avons l'inspiration. Et cinquième, les émotions. On est ensemble? Je répète, les émotions, l'imagination, l'intuition, la conscience, l'inspiration. Alléluia. Bien-aimés, ces cinq états, ces cinq facultés, ce sont les facultés principales dans l'âme. Nous tous, on est allés à l'école, on a étudié la conscience comme étant la voix intérieure qui nous dit si un acte est bon ou mauvais. Amen. Amen. C'est ça le civisme. Alors, ils sont en train de nous enseigner comment la conscience humaine peut interpréter un fait. Comment la conscience humaine peut mettre la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors, vous allez comprendre, bien-aimés, que le jugement, que les décisions, ça se prend à partir de ce niveau-là. Et bien aimé, l'ennemi, pour qu'il puisse combattre le cœur de l'homme, puisqu'il puisse combattre l'esprit de l'homme, il commence d'abord par briser ce qu'on appelle la conscience humaine. Si toi, un homme, tu es chrétien, conscience n'a eu ça la tête, cela veut dire que tu as un problème sérieux, alors très sérieux. Et le deuxième niveau, c'est l'inspiration, c'est là où la Bible est en train de dire, prier, demander l'esprit de discernement. Si bien aimé, tu n'es pas un homme inspiré, même côté à haut et au comme là haut passe. Amen, amen. Amen. Alors, dans les livres de Jean ou de Matthieu, là où nous avons lu, vous allez comprendre que la Bible est en train de donner, dans Matthieu 7, 21, 23, la Bible est en train de donner les facultés du cœur. Qu'est-ce qui est bien aimé lié au cœur? Et la Bible dit, car c'est Jésus qui dit, car c'est du dedans de l'homme ou du cœur de l'homme que sortent premièrement les mauvaises pensées,
les adultères, les fornications, les meurtres, les larcins, la cupidité, les méchancetés, les fraudes, l'impudicité, l'œil envieux, la médisance, la fierté, la folie. Tous ces voies sortent du dedans et c'est ce qui suit l'homme. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, vous allez comprendre qu'on a un sérieux problème. Pas seulement l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme est à la base du contrôle du système humain, mais nous comprenons aussi, bien aimé, que le cœur de l'homme est en train de jouer l'importance et le plus efficace dans la vie de l'homme. Tout ce qui est décidé dans l'esprit de l'homme prend, bien aimé, sa voix par le cœur. De la même façon que, bien aimé, l'odorat prend sa voix, je ne sais pas, par le nez, de la même façon, l'ouïe se parle les oreilles, de la même façon que l'œil, bien aimé, c'est comment encore l'œil? J'ai oublié, mais oui, l'œil, la vue. De la même façon que la vue, c'est l'œil, c'est comme ça que l'Esprit de Dieu prend son canal par le cœur humain. Alléluia. Alors tu vas comprendre, toute décision qui vient de l'Esprit, ça doit premièrement passer par le cœur de l'homme. Et c'est le cœur de l'homme qui joue maintenant le travail de délibérer ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Et vous allez comprendre avec moi, bien-aimé, que la Bible est en train de parler des fruits de l'Esprit. Lorsque la Bible parle des fruits de l'Esprit, ce ne sont, bien-aimé, que des fruits qui viennent balayer tout ce que Marc chapitre 7, le verset 21, 23 est en train de parler. Parce que la Bible est en train de dire, dans l'esprit de l'homme, lorsque tu reçois ces choses, c'est là, bien-aimé, que tu deviens une nouvelle créature. Paul est en train de dire, à dater d'aujourd'hui, ne me faites pas de la peine, parce que je porte sur moi, je porte dans ma vie le marque du Seigneur. Le marque du Seigneur, bien-aimé, ce sont les fruits de l'esprit. Amen. Amen. Le cœur qui ne connaît pas Dieu, c'est un cœur, bien-aimé, qui est tourmenté. Le cœur qui ne connaît pas Dieu, c'est un cœur qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais qu'on prenne un temps d'observation. J'aimerais qu'on prenne un temps d'observation. Vous savez, un homme qui n'a pas encore reçu le Seigneur, c'est un homme que moi je dis, il est un homme dangereux. Pourquoi il est dangereux? Parce qu'il ne connaît pas établir la différence entre ce que l'Éternel veut et ce que l'Éternel ne veut pas. Dernièrement, je vous ai montré une image. Sur cette image, nous avons vu différents animaux, n'est-ce pas? Alors, vous allez voir sur cette image-là, il y a différentes sortes d'animaux. Et ces animaux, bien-aimés, ça est en train de représenter une forme ou sorte d'esprit qui vient, bien-aimés, pour détruire le cœur de l'homme. Amen. Amen. Le cœur ici, c'est un cœur qui n'a pas encore reçu l'Éternel. Et qu'est-ce que nous sommes en train de constater? Dehors, bien-aimé, le cœur, il y a les flammes de feu, n'est-ce pas? En dehors du cœur, si j'essaie de monter un peu l'image, vous allez voir qu'en dehors du cœur, il y a la colombe qui représente l'Esprit de Dieu. Il y a, bien-aimé, l'ange qui représente la présence de Dieu, qui est en dehors du cœur. Vous allez remarquer que le cœur qui n'a pas encore reçu Dieu, même l'expression de son visage commence à changer. Alléluia. Même l'expression, sa façon de vivre, vous allez comprendre que ce n'est pas une façon d'une personne libérée. Une personne qui a reçu sa délivrance, atteint le Longinaye, au moyen que vous tournez à délivrer. Amen. Et une personne possédée, atteint le Longinaye, au moyen que vous tournez à délivrer. Si réellement tu as un esprit de discernement, l'Éternel va te faire voir à partir seulement du regard. Amen, amen. J'aimerais parler de quelques histoires que nous sommes en train de voir au milieu du cœur de Dieu, au milieu du cœur de l'homme. Je m'excuse. La première des choses, qu'est-ce que vous êtes en train de constater? Il y a le bouc, il y a le crapaud, le serpent, le cochon, le lion, il y a le diable au milieu qui a déjà tenu sa forme, ou le trident, comme certaines personnes dans la mythologie appellent. Amen. Amen.
Et bien aimé, chaque représentation de ces images est en train de montrer un esprit qui a déjà possédé le cœur de l'homme. Alors bien aimé, j'aimerais dans le cadre de la délivrance essayer d'énumérer quelques esprits qui font que le cœur de l'homme devient tortueux. Le premier que nous avons vu dans le cœur de l'homme, c'est celui-là, le paon. Vous connaissez cet oiseau, n'est-ce pas? Je ne sais pas si nous tous on voit. Vous voyez cet animal-là, le paon. Moi, j'ai eu la grâce ou la chance de voir cet animal comme ça. Et qu'est-ce que vous allez remarquer? Le paon, c'est un animal qui est presque comme les dindons. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent bien les dindons. Ce qu'on a dindons, j'aimerais dire un dindon qui marche, qui est vivant. Et surtout les mâles. Qu'est-ce que le dindon fait? Ou qu'est-ce que le paon fait? Lorsque le paon se sent menacé, lorsque le paon comprend qu'il y a un danger, lorsque le paon est en train de voir les personnes, la première des choses qu'il fait, il ouvre tout ça. Oh, ils sont qui là naïr? Il ouvre tout ça. Et ça a tellement de jolies couleurs que vous serez là en train de regarder cet animal. Les gens partent au zoo. Quand ils vont au zoo, ils ne regardent pas la tête de cet oiseau. Ils regardent d'abord sa queue. Ils regardent d'abord la beauté. Et cela est la représentation de l'esprit de l'orgueil dans l'homme. Alléluia. Vous allez comprendre avec moi que l'orgueil, c'est le premier esprit qui habite le cœur d'un homme qui ne connaît pas encore Dieu. Bien aimé, l'orgueil, c'est quelque chose qui détruit l'église. L'orgueil, c'est une chose, bien aimé, qui détruit le ministère. L'orgueil, c'est une chose qui détruit le foyer. Alléluia. Un jour, je vous ai donné l'exemple de ce pasteur qui avait donné, si je peux appeler ça, un médicament à une femme. Pour orgueil, Nakati, moi, soigné les kaki. La femme, elle était là tellement qu'elle était son mari, sauf qu'elle oublie A. La femme va arriver à Z. Si le mari parle B, la femme arrive à X. Si le mari parle Z, la femme arrive à Y. Alléluia. Amen. L'orgueil, c'est ce qui a fait que le diable soit appelé Satan aujourd'hui. L'orgueil, c'est ce qui a fait la terre bien-aimée puisse être ce qu'elle est aujourd'hui. L'orgueil, c'est ce qui a fait que les souffrances puissent entrer dans le monde. Église de Dieu, j'aimerais qu'on puisse bien aimer prendre le temps d'entrer en profondeur, de parler de cet esprit. L'esprit d'orgueil dans l'église est en train de diviser les églises. Alléluia. Bien aimé, quand tu as l'esprit d'orgueil, ça ne regarde pas que tu sois pasteur, que tu sois serviteur, que tu sois servante, que tu sois papa, que tu sois adulte, que tu sois enfant. Cet esprit ne regarde pas l'âge. Cet esprit ne considère pas, bien aimé, la position physique, la position sociale de l'homme. Non. Quand l'orgueil vient dans le cœur de l'homme, il vient pour détruire, il vient pour diviser. La Bible dit, sur le trône, celui qu'on appelait Lucifer, il avait la gloire de toutes choses. Mais l'orgueil est celle qui était alignée comme un loco l'azam. Amen. Aujourd'hui, dans nos maisons, l'esprit d'orgueil est en train de mettre nos filles, est en train de faire nos garçons devenir têtus, impossibles vis-à-vis aux parents, à cause de cet esprit. L'esprit d'orgueil est à la base, bien aimé, des couples dans des problèmes. Moi, si à ce moment-là, mon bain n'a qu'à tiendra, à quoi ils vont la jouer, à cause de l'esprit d'orgueil. La Bible dit, soyez soumis. Amen. Amen. Soyons soumis. Que l'homme soit soumis au Seigneur. Que la femme soit soumise à son mari. Alléluia. Amen. L'esprit d'orgueil. J'aimerais vous donner quelques versets dont nous allons lire à Galilée. Nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 14, à partir du verset 9. Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 9, on va descendre jusqu'au verset 12. La Bible dit,
Les sépulcres profonds s'émeut devant toi pour venir à ta rencontre. Il réveille devant toi les trépassés, tous les puissants de la terre. Il fait lever leur trône, tous les rois et les nations. Tous, ils prennent la parole et ils disent, toi aussi, te voilà sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue au sépulcre avec le son de tes lyres. Tu es couché sur les couches de verre et la corruption est ta couverture. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, cela veut dire Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Amen. Hein? Alors, vous allez comprendre que sur ce verset, on est en train de parler de la position de Lucifer. En continuant, la Bible dit, tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, je leverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'Assemblée aux régions lointaines de l'Équion. Je monterai sur les hauteurs, les nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu es descendu dans les sépulcres, dans les profondeurs du tombeau. C'est aussi tes voix fixées sur leurs yeux et sur toi, ils te considèrent. Es-tu cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, toi qui changeais le monde en désert, qui détruisais les villes et qui relâchais pas les prisonniers? Amen. Hein? Amen, tout va bien. Bien-aimé, la position de Lucifer sur la terre. La Bible sur le, dans le ciel, la Bible dit, c'était lui qui était au conseil de tout. C'était lui qui était en train de trôner sur toutes choses. Même quand il arrivait à faire tomber les nations, c'était bien-aimé, lui Lucifer, qui était en train de s'occuper de ça. Mais bien-aimé, chose qui m'étonne, l'orgueil de Lucifer a fait que Lucifer soit précipité aujourd'hui sur la terre. L'orgueil de Lucifer a fait bien-aimé que Lucifer puisse bien aimé descendre dans les séjours des morts. Alléluia. Amen. Le premier esprit qui est en train de détruire, c'est l'esprit de l'orgueil. Le deuxième, j'aimerais qu'on puisse considérer la deuxième image. Qu'est-ce que vous voyez? C'est le bouc, n'est-ce pas? Le bouc, je ne sais pas si vous avez eu la chance. Comme moi j'ai fait le commerce de Bantaba. Je peux vous dire, le bouc, c'est un animal qui pue sérieusement. Azana solo moyen. Le bouc, bien aimé, c'est un animal très sale. Sauf qu'à lié, et l'eau qu'on a voulu, après quelques temps, il fait quoi? Il le renvoie. Il commence encore à remâcher ça. Ti, à son ici, on le sous soi-même. Amen. Le bouc ici, on est en train de nous dire, le bouc est en train de représenter les convoitises charnelles, l'immoralité, la fornication, les adultères. Alléluia. Pourquoi on a représenté le bouc bien-aimé? Parce que premièrement, quand cet esprit te touche, la première des choses que tu deviens, au comité tu. Amen. Boyebi, dans cette église, on a des gens, au lieu qu'ils soient des brebis, ce sont des boucs. Bien aimé dans l'église, nous avons besoin des brebis, pas des boucs. Les boucs, parfois, ils sont là, au milieu des brebis. Ils vont déstabiliser même la marche des brebis. Amen. Quand vous avez des boucs dans l'église, le bouc est représenté par l'esprit de convoitise charnelle, par la fornication, par l'immoralité. Et qu'est-ce qui arrive? Lorsque, bien aimé, ces esprits sont en train d'attaquer l'église, la gloire de l'Éternel disparaît dans l'église. Amen. Amen. Je me rappelle les enfants d'un prophète dans la Bible. Leur papa était au service dans la maison de Dieu. Leur papa, c'était un sacrificateur dans la maison de Dieu. Mais les enfants, ils ont commencé à prendre les femmes, coucher avec eux dans l'église.
Amen. Amen, tout va bien. Les enfants, ils ont pris les femmes, ils commençaient à aller suivre même les femmes de leur père. Même les femmes, les concubines, ils commençaient à les amener faire l'adultère dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été frappés de mort. Amen. 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 Vous allez voir, parce que c'est qui? C'est Élie, je pense. C'est les enfants d'Élie. Amen. Élie, c'était lui qui a fait grandir le prophète Samuel, qui était l'un des plus grands prophètes en Israël. Mais regardez comment Élie a travaillé pour Dieu. Il a fait introduire certaines personnes dans le ministère, mais ses propres enfants, Bananaye Moko, esprit Oyo Yabou, et qu'est saisir Bango, impudicité, et continue à Katia Vina Bango, immoralité, et continue à Katia Vina Bango. Alléluia. Je vous ai dit, le bouc, c'est un animal qui pue, qui sent très mauvais. Bien aimé, l'odeur des boucs, attention que l'ami est le lot, au voyant qu'à Soloana et Zakana. Attends, tu es ma tomboule, tu es tomate. Au voyant qu'à Soloana, Tabamobaye. Amen. Amen. Oh, yo, Azawana. Vous avez Pumwe. Ma Pumwe. Yéwan. Amen. Kampumbu. Écoutez, je me rappelle parce que j'avais un professeur qui était en train de provoquer un garçon avec qui nous avons étudié. C'était ça son nom. Amen, amen. Vous allez voir, bien aimé, le bouc, il amène la pureté dans l'église. Alléluia. Adam on l'a lié de l'eau. Vous avez vu ce qu'il y a dans la haute. Place à côté. À côté de son. Amen. Et l'esprit de bouc, c'est un esprit quand ça entre dans l'église, bien aimé. Église mobile, mais combien de bandades. Il y a mon nom comme mon frère dans la chair. Mon héritier dans la chair. Mais à quel conseil de serre dans la diaba. On s'en tout n'aille. On s'en est mis en papa n'a pas été l'eau comme il y a. Solo on est en l'aille. Tu peux être bien aimé serviteur de Dieu. Cet esprit, c'est un esprit têtu. Une réclamation. Alléluia. Comme le nom de Dieu le dit, ça va te réclamer parce que c'est lié avec les liens bien aimés. Et si tu ne cherches pas ta délivrance, dans une mission que esprit haut, tel que je te dis, Aza esprit mon corps, tout ma casse. Abimara n'a pas n'a pété. Amen. Quand vous faites la délivrance, une personne qui est possédée par cet esprit, attends, au Benganaya, au Télémélaïa, à Fumole, Yomiso, comme vous l'avez dit, vraiment. Hein? Fier là, l'esprit de bouc, l'esprit de convoitise charnelle, de l'immoralité, de la fornication, des adultères. Aujourd'hui, dans ce siècle, c'est un esprit qui est en train de suivre plus les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Les serviteurs de Dieu. On est en train de vivre des scandales dans les églises. Pasteur tel va gagner la maman telle. Va commencer à retrouver ma vidéo, va suivre c'est l'étage. Sélection et pasteur dans ma carrière, moi aussi dans pasteur dans ma église. Deux choses totalement différentes. Bien aimé, ce n'est pas que la gloire de Dieu n'y est pas. Et sont le baptême que Baza va passer à soloté. Le problème, c'est parce que les serviteurs de Dieu ne veulent pas chercher leur délivrance. Au cause de la pasteur, mais on est dans les longs qu'on a katinayo. Oh, on fait faux, on est fait dans la zam. Zam dans le monde, on a katinayo. Pas tout ça, les lanzam et la kimia. Alléluia. Cet esprit n'a pas peur, bien aimé, de ton âge. La convoitise charnelle. Ça fait tellement que Oyena Katia Mounamoussalazam, tes avantages, tes intérêts, et Zamakam Moussous, ce n'est pas l'intérêt de Dieu. Tout ce qui fait ton bonheur, ce n'est pas ce qui fait le bonheur de Dieu. Vous savez, j'étais en train de lire les évangiles. Je suis tombé sur le verset où Jésus avait une conversation avec Pierre. Amen. Yes, on dit Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre a dit, Seigneur, je t'aime. Yes, on tourne les sous. Pierre, est-ce que réellement tu m'aimes? Pierre répond. La troisième fois, Jésus lui pose encore la question. Pierre, est-ce que réellement tu m'aimes? Pierre dit, Seigneur, tu le sais. Amen. Pourquoi Pierre l'a dit? Parce que Pierre savait que l'Éternel n'était pas capable de voir ce qui était aux yeux. Il était capable de regarder d'abord dans son cœur. Alors Jésus lui dit, Pierre, si réellement tu m'aimes, paie mes brebis. Amen. Il a dit, paie mes brebis. Donc pour l'amour du Seigneur, qu'on l'ignaille, et ça prendre soin des brebis de Dieu.
C'est nous bien aimés qui comptons le nombre des gens dans l'église. L'Éternel, lui, il compte les âmes. Lui, il ne regarde pas l'âge. Lui, il ne regarde même tel que vous voyez les deux enfants qui sont là. Zambazota l'âge n'a pas monté. Zambazota les âmes, il y a la quatrième présence. Oh, bien aimé, l'esprit n'a pas l'âge. Amen. L'esprit n'a pas l'âge. C'est pourquoi la Bible dit, enseignez à vos enfants les voies de l'Éternel quand ils sont petits. L'esprit de bouc, l'esprit d'adultère, l'esprit des temps modernes, l'esprit de bouc bien-aimé, a fait que Sodome et Gomorre soient complètement détruits. L'esprit bien-aimé, cet esprit, c'est ce qui a fait bien-aimé que Sodome et Gomorre puisse ne plus, plus rester sur la surface de la terre. C'est ce qui a fait que le temps de Noé, la ville soit ravagée par l'eau. Pourquoi? Parce que c'est un esprit, et même à Kanda, n'a qu'à t'écouter ensemble. Parce que c'est un esprit qui amène bien aimé l'amertume dans le cœur de Dieu. Amen. Et 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 18. La Bible est en train de parler de cet esprit. On nous donne 18 à 19. On nous donne quelques significations sur l'esprit. On nous dit, fuyez la fornication. Dans d'autres versions, on parle de l'impudicité, n'est-ce pas? Fuyez la fornication. Quelques péchés qu'un homme commette, c'est hors du corps. Mais celui qui commet la fornication pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit et que Dieu habite en vous et qu'il vous a donné de Dieu et que vous êtes et que vous n'êtes point en vous-même. 1 Corinthiens 3, 17 dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Alléluia. Bien-aimés, Namasu Mounion sur la table dans la Bible. Hein? Bible Zoloba résister. Mais quand ça devient sur ses péchés, la Bible dit fuir. Amen. Fuir, cela veut dire les tentations, ils seront. Fuir, cela veut dire les problèmes et Rosa. Toi ne reste pas comme il m'a gagné tel esprit à publicité, non bien-aimé. Comme il m'a ninja tel esprit à l'impudicité. L'impudicité a fait bien-aimé que les serviteurs de Dieu que moi je connais puissent tomber. Ton mec a dit. Aujourd'hui, dans l'église, cet esprit commence même à mettre des barrières pour faire l'œuvre de Dieu. Vous, pasteur, patience. Donc, comment ça là? Conversation, dialogue pastoral, secret pastoral, les amis sous-soutés. Pourquoi? Parce qu'on commence à avoir peur dans nos églises. Oyemite, mouté, mouté, zanéni. Toi, un pasteur. Si vous avez un bureau, il faut que tu apportes pour l'aile. Maman pasteur a vendu la kit. Bon, je vais vous faire un salon. Na comme on met tout dans un salon. Est-ce que vous avez un pasteur? Moi, si vous avez un pasteur, vous avez un pasteur. Hein? Les secrets des enfants de Dieu deviennent maintenant divulgués dans les chefs de maman pasteur. Et ceux-là qui n'ont pas l'esprit pastoral, l'éthique pastorale, va comme on pense à Bandeko. Bandeko dans quatre églises. Amen. Amen. Vous savez, la plupart des temps, ce ne sont pas les pasteurs qui sont à la base. Hein? Ce sont les mamans pasteurs. That's true. Ce sont les mamans pasteurs. Ayoka qui dit Solomon Oboe, il n'y a pas Matina Cher. Sauf qu'il y a un lobby à moi, Moutouana s'identifie. Attends, autant qu'il y a comme on a été. Moutouana, il y a un lobby là qui pasteur. Il y a ici, maman, le problème commence dans l'église. Alléluia. C'est pourquoi nous devons essayer de nous contenir. Nous devons essayer, bien aimé, de chasser cet esprit de cette église. Ce qui est esprit, on est bon, t'as mis la carte à mon témoin, et qu'on empêche ta Eve en Zabé Sarah. Aujourd'hui, les femmes, cet esprit est en train de détruire même l'accoutrement dans l'église. Aujourd'hui, on a moutoyé la chair, moutoyé la chair, la modération. L'église devient scandalisée. Pourquoi? Parce que Moulin Moana, elles ont naître Katinaï. L'esprit de bouc, c'est un esprit qu'il faut combattre. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Le troisième esprit, c'est le porc. Amen. Goulou, 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 goulou
Vous l'avez dit, le roi à la plage. Bien-aimé, le pauvre. Un jour, j'ai parlé sur cet esprit. L'esprit de l'ivrognerie et de la gloutonnerie. Qui est représenté par le porc. Amen. Hein? Bien aimé, cet esprit, c'est un esprit qui est lié à la nourriture. Un esprit méchant. J'ai toujours dit, manger c'est bien, n'est-ce pas? Mais exagérer, ce n'est pas bien. Parce que quand tu exagères, tu es en train de faire disparaître la gloire de Dieu dans ta vie. J'aimerais qu'on lise Deutéronome, chapitre 21, le verset 18 à 21. En tout cas, j'aimerais qu'on lise ce verset. J'aime beaucoup ce verset. Deutéronome, chapitre 21. Le verset 18 à 21. Écoutez ce que la Bible dit. Si un homme a un fils indocile et rebelle, est-ce que c'est ça? Yes. Est-ce que c'est ça? Yes. Deutéronome 21. Mm-hmm. 18 à 21. Yes, je pense que j'ai commis l'erreur en écrivant. Je cherche le verset qui est en train de dire, car les buveurs et les gourmands deviendront pauvres, et les dormeurs portera les ayons. Celui qui garde la loi est un enfant entendu, mais celui qui se plaît avec les débauches fait la honte de son père. Je pense que ça, c'est un proverbe. Je pense que c'est un proverbe 23-21. Yeah. Proverbe 23-21. Et puis, le proverbe 20, chapitre 20, le verset 1 dit, le vin est moqueur et la boisson forte est tumultueuse, et quiconque en fait excès n'est pas sage. Ésaïe 5, 22 dit, malheur à celui qui fait boire son prochain, afin, oui, à toi qui lui verse ta fureur et de l'envie afin de voir sa nudité. Habakkuk 2, 15 dit, la harpe et la lutte, les tambourins, le flûte et le vin sont dans leur festin. Mais ils ne prennent pas garde à l'œuvre de l'Éternel. Ils ne voient pas l'ouvrage de ses mains. Bien-aimés, vous allez comprendre que l'objectif de tous ces versets est en train de parler d'un esprit. C'est l'esprit de l'ivrognerie. Avec l'esprit de gloutonnerie. Amen. L'esprit de l'ivrognerie, j'avais parlé le premier jour dont on a commencé cet enseignement, n'est-ce pas? Je vous ai dit, l'esprit de l'ivrognerie, c'est un esprit qui enlève la gloire de Dieu dans la vie de l'homme. L'esprit de gloutonnerie, c'est un esprit qui amène le péché lié au corps dans la vie de l'homme. Quand tu manges, tu dois apprendre à t'arrêter. Je n'aimerais pas m'attarder sur ces choses parce que j'en avais déjà parlé. La Bible est en train de dire, quand cet esprit est en train de venir dans ta tête se tourne à une pensée. C'est faire quoi? Chercher à voir la dignité de ton prochain. Objectif Nabamo Zalarawana. Je vous dis la vérité. Même s'ils ne le prétendent pas, leur finalité, c'est toujours là-bas. Alors vous allez voir, bien aimé, que la Bible est en train de dire, toi qui sais, toi qui es en train de préparer, et toi qui bois, vous tous, vous êtes dans une même boîte. Aujourd'hui, je suis en train de m'étonner. Les églises, on est en train de tolérer l'alcool. Verset mon pasteur, comme il faut réunir dans quatre églises. Yes, on a changé la vigne, on a mal. Un jour, je vais vous parler du vin de la fête des noces. Le vin là,
C'est ce qu'on appelait en hébreu le sécar. Le vin du sécar, c'est ce qu'on appelait le bon vin. Parce que c'était un vin qui n'était pas fermenté. C'était un vin qui venait de la vigne pure. Et cela n'était que l'image de nous les chrétiens. Après Dieu n'aimait que le vieux vin était fini. Maintenant le nouveau né, le nouveau vin était né bien aimé d'une racine qui n'était nulle part. C'était le début de l'évangile. Alléluia. Amen. Toute chose qui s'est passée sur, dans la Bible a deux voies par lesquelles l'Éternel est en train de les révéler. La première voie, c'est la loi. La deuxième voie, c'est les témoignages. Amen. Si bien aimé ces choses ne sont pas liées à ces deux voies, vous allez comprendre qu'il y aura une multitude de confusions que nous n'allons pas comprendre. La Bible est en train de parler que la mer était divisée par deux bras qui n'étaient que la représentation de la loi, la représentation du témoignage. Amen. Le désenvol, quand on parle de l'envol de l'aigle, l'envol gauche et l'envol droite, l'Ancien et le Nouveau Testament, tout va seulement entre la loi et le témoignage. Et vous allez comprendre que l'Ancien Testament, c'était la loi. Le Nouveau Testament, ce n'est que le témoignage. Amen. Amen. L'esprit de gloutonnerie. Je n'aimerais pas m'attarder dessus. Le troisième, c'est la tortue. Regardez un peu cet animal. On connaît la tortue, n'est-ce pas? Oui. Mais son tortue est, c'est un peu comme la tortue dans la plage. Bon. Hein? Ce que vous avez aussi mis tortue, aux yeux, vous avez dit ici, dans ma tortue. L'homme, zone à la plage, dans l'animal. Voilà. Amen. Amen. Pasteur, tortue, ce que tu dis, mille, tu es dans ma tortue, tu es dans ma tortue. Bon. Ce que vous imaginez, Moussapina. Alléluia. Je connais un ami, Moussapina, qui est dans ma tortue. Nicolas Tortue. Mais la tortue dans la vie, dans le spirituel, n'est pas l'animal qu'on est en train de ramasser au plage. La tortue est en train de représenter l'esprit de paresse dans l'église. Amen. L'esprit de paresse, la négligence, l'incrédulité et la sorcellerie. Amen. Bien-aimé, pourquoi on a donné la tortue l'esprit de paresse? C'est parce que les hommes, surtout au nom de l'évangile, nous ne voulons plus faire l'œuvre de Dieu. J'aimerais parler de la paresse, pas sur le niveau physique, mais j'aimerais commencer sur le niveau spirituel. Amen. Bien-aimé, spirituellement, si tu es attrapé par l'esprit de paresse spirituelle, ça va t'amener au sommet spirituel, ça va refroidir ta vie chrétienne. Amen. Et la sorcellerie, quand elle vient dans la vie de l'homme, leur objectif est à esprit naïo et à l'affecter pour les cils. Alors vous allez voir, les chrétiens, ils n'arrivent plus à faire l'évangile. Évangélisation dans cette église, ils ont la soufflée. Pourquoi? Parce que nous avons perdu le courage. Parce que, bien aimé, nous avons perdu la force. Parce que, bien aimé, nous avons perdu le courage de servir Dieu. La Bible est en train de dire dans les livres de Proverbes, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Amen. Amen. Il y a une récitation quand on était à l'école, on récitait, c'était la cigale et la fourmi. Uh-huh. Et puis un autre, c'était le lièvre et la tortue. Amen. Les deux récitations, ça avait des leçons morales terribles que vous n'allez pas comprendre. La première leçon morale, entre la cigale et la fourmi, vous vous rappelez de ça? Quand la cigale a chanté tout l'été, c'est qu'on va fort dépourvu. Quand la biscuit venait, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisson. On nous parle bien aimé de ces récitations. C'était Jean de La Fontaine qui l'a écrit. Il est en train d'écrire la cigale et la fourmi. Mais dans sa tête, derrière sa pensée, c'était enseigner aux gens comment travailler contre l'esprit de la tortue, contre l'esprit de pauvreté. Comment nous allons faire pour essayer de garder, travailler pendant une bonne saison pour que lorsque la saison est en boule et goya, tout ça n'a pas à récolte. Et bien aimé, la deuxième récitation, c'était le lièvre et la tortue. Tantôt le matin, on nous dit qu'il y avait une course dans la ville. Dans cette course, il fallait que le lièvre et la tortue puissent partir. La tortue se décide. Elle dit, « Madame, il manque 4 heures.
Les lièvres pensant qu'il est malin, il dit Nakola, la course on est aussi à 6h. Attends, t'as tiré 4h, tu tournes à 8h juste. Non, non, vous avez un premier avant. Alali, il a oublié. Et tu as 15 minutes à surtout qui n'a pas mis. Il y a un bandit, il y a un bandit, il y a un bandit. Mais tu as un bandit qui est malin. Amen. Un bandit qui est malin. Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Quand on fait l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu ne produit pas de fruits en un seul jour. Mais nous, Église de Dieu, nous sommes en train d'appeler à travailler dans l'œuvre de Dieu. Combien parmi nous, le long de cette année, ça y a été évangélisation une seule fois. Or, Jésus nous donne la grande mission que l'Éternel a donnée sur la croix. C'était aller, faites de toutes les nations les disciples. C'était bien aimé un travail que l'Éternel nous a donné. Bien aimé, le travail de l'évangélisation, ce n'est pas le travail du pasteur. Le travail de l'évangélisation, c'est le travail de toute l'Église. Nous sommes appelés à faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais insister sur ces choses. Prochainement, je vais commencer par là. J'aimerais bien aimer que l'Église, nous puissions comprendre que travail nous sala bien aimé évangélisation. Qu'on sala les rassembles. Et ça nous sala les akaka ya pasteur. Et ça nous sala ya église au Mobimba. Amen. Combien parmi nous, nous pouvons faire l'œuvre de Dieu et laisser la paresse? Combien parmi nous, nous pouvons faire l'œuvre de Dieu et oublier, bien aimé, cet esprit de paresse? Le premier niveau que la tortue amène, c'est l'esprit de paresse, même dans le ministère. Qu'on s'en comme un problème, comment on a un kilo? Au cas où on a un movie, on a un film, 5 minutes, on a un peu de comme pour qui est-ce directement? Amen. L'esprit de paresse. On doit combattre cet esprit. Comment bien aimer dans l'église? On peut être là, tous on peut être ma solo, l'Ibanda, ceux qui t'ont continué modérateur à matin à chair. Église va tenir sur la commo là. Hein? Prédicateur, pasteur, a commis poto sang, mais la son assise sur sa requête. A commo, on va tout. On n'arrive plus à parler dans l'église. On n'arrive plus à prier dans l'église. Pourquoi bien aimé? À cause de cet esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame le Seigneur, nous allons prier. Acclame le Seigneur, nous allons prier. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries pour ton cœur, que tu dises à Dieu, conserve mon cœur. Conserve mon cœur. Je n'aimerais pas que tu loges dans ton cœur de mauvais sentiments, des sentiments qui ne donneront pas gloire à Dieu. Je n'aimerais pas que tu loges dans ton cœur des sentiments d'inimitié. Dis à Dieu de garder ton cœur, que Dieu sécurise ton cœur. Parce que c'est dans le cœur que tu loges ce sentiment-là d'amour. Que Dieu t'aide à aimer sincèrement tes frères. Dis à Dieu, j'aimerais avoir un cœur, comme il m'a dit hier dans Ézéchiel. Il a dit, je vous donnerai un cœur de chair. Dis à Dieu, j'aimerais avoir un cœur de chair. Un cœur compatissant, un cœur qui comprend, un cœur qui sait que l'autre est en train de souffrir, que je réagisse et que j'agisse en fonction d'une personne qui a un cœur. Prie Dieu pour ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, je te confie mon cœur. La personne montée malangaïeus. Yaka au fond de lui à Dieu, viens habiter dans mon cœur. Il dit, moi, si je frappe, si quelqu'un entend ma voix, je viendrai, je souperai avec lui. Dis à Dieu, mon cœur n'est pas une place pour les mauvaises pensées. Mon cœur n'est pas une place.